Regardez-moi ça. Tout ce petit monde en train d'arriver. Pour une convention. Salut à tous, c'est M. Fisher. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez-moi, c'est tout nickel. Aujourd'hui, les amis, nous sommes à Paris. Tout bonnement à Paris Nord, Villepinte. Pour la Paris Manga Science Fi Show. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné de. Bonjour à tous. Du dormeur Kaniki, ça va? Non, en vrai, je vais vous dire, on a fait la route, on ne s'est pas arrêté depuis quelle heure? Minuit? Ouais, environ minuit. Ouais, on n'en peut plus. En plus, on a dû attendre, je sais pas, jusqu'à 7h30, ça s'est ouvert. Parce qu'on ne savait pas si c'était le bon lieu, etc. Du coup, voilà. Et en vrai, là, il fait hyper froid dehors, il fait 3 degrés. Normal, on est en décembre. 3 degrés au soleil. Oui. Il n'y a pas de soleil. Sachant qu'il n'y en a pas, on est encore en nuit. Et en plus, dites-vous que pour cette dernière convention 2022, il va y avoir, plusieurs choses. Déjà, il va y avoir des défis qui vont être à faire. Quand je parle de défis, c'est quoi? C'est tout bonnement des défis qu'on va imposer au fur et à mesure dans les conventions. Comme par exemple... demander à une personne que vous aimez bien son travail, alors que vous connaissez pas du tout de quoi est son travail, peut-être que ça peut être intéressant. Ou encore, demander à prendre en photo avec des furries. Voilà, vous voyez ce genre comme ça. Bon, de toute façon, je vous dirai tous les détails à l'intérieur concernant les défis. On y go. Allez, c'est parti! Actuellement, il fait 3 degrés. Ça va, Kaniki? Je suis pas sûr que ça fasse 3 degrés. Oui, il fait moins de 8000. En vrai, encore heureux qu'on a des vêtements qui tiennent chaud, parce que sinon... Et encore, c'est loin, puisque c'est même pas le hall de la dernière fois, c'est le hall 5, du coup, il faut qu'on aille encore plus loin à pied. Oh, tiens, on se rapproche du 5B, du coup on n'est pas loin du 5A, techniquement. Ce sera le long périple. On ne sait pas si on survivra. On verra bien. Oui, ne t'inquiète pas, nous arrivons. Regarde-moi ça. Il a déjà faim, lui. Alors qu'il y a plein de trucs à côté, lui, il veut déjà manger. Vous êtes rassasié, vous avez votre petit thé, un bubble tea. Parfaitement parfait. Ah, regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Et encore là, il y a encore tout ça à explorer. Hein. Amazing. Bon, allez, c'est parti, let's go. D'être grand, hein. Peut-être trouver son bonheur dedans. Il y a beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de personnes.
Adams. Kaniki ou lancer de points. Est-il y arrivé? Attention, ça monte, ça monte, ça monte. Ouh, pas mal. A-t-il réussi à battre? C'est fou. Battre le record, vas-y. Ouais, pas mal hein. Donne la force au petit. Et un Kaniki présent.
Monsieur Kaneki. Joyeux Noël, voilà, petit cadeau. Alors il s'agit tout simplement déjà d'un magnifique... Wow. Fais attention à l'ouverture. Déjà un magnifique kunai appartenant au 4e Hokage. Qui est magnifique. Minato. Minato en personne. Hein. Stylé. Et c'est un vrai, hein. C'est un vrai. Ouais. Et enfin le chapeau de Ace, on va voir du coup. Voilà. Attention, révélation. Ouais, ça te va bien, hein. Ouais, ça te va vraiment bien, hein. Faudrait après que tu le mettes en arrière pour voir ce que ça fait. Non, tu sais, tu le poses en arrière, comme avant. Tu sais, tu le poses comme ça. Ah ouais, ça passe. En vrai, sans les manteaux et, le pull, ça passe. Ah ouais, c'est bon, ça tient, ça tient, ça tient. Ah bah voilà. Ah bah voilà, parfait Ace. Ah bah voilà, ça c'est les deux cadeaux de ce cher pour Kaneki, voilà. Merci beaucoup, Ace. Ah, y'a pas de soucis, ça fait toujours plaisir. Ah c'est bon. Wouh. Eh. On a été au froid là, quand on est sorti de la convention, il faisait bien chaud et là quand on sort il fait 5 degrés. Regardez-moi ça, 5 degrés à l'extérieur. Regardez le pauvre Kaneki, il est tout frigorifié là. C'est bon, on est dans le frigo. On est dans le frigo. C'est le frigo là-bas, c'est le frigo. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, un petit cadeau. Oh, merci bro. Oh, il est trop bien. En plus, c'est Yamato. Ah, il est trop bien dans la collection là, avec tous les autres. Ça, c'est parfait. Ah ouais. Ça va être trop bien. En vrai, ça va. Alors, la convention, elle était bien, mais il faut que vous raconte un truc. L'organisation, c'est vraiment de la merde. Ouais, Faut annoncer. Parce que le matin, il est 7h. Qu'est-ce qu'on fait? On nous envoie quelque part. Pour au final, c'est pas par là. Donc, du coup, on fait tout le tour. Ils nous redirigent dans des salles où c'est même pas par ici. Ouais. Mais ça fait même pas où c'est l'entrée. Et du coup, on a carrément dû faire tout le tour gauche. Pour au final arriver dans la queue, mais bon. Après, ça va la queue. Et qui, au final, les billets ils sont pas bons. Parce que, en fait, c'est la Paris Manga et non la Japan Expo. Du coup, on a dû attendre jusqu'à 10h pour pouvoir acheter les billets. Et après, pouvoir ensuite se balader dans la convention. En vrai, il y a eu des choses bien. Mais il y a eu quand même du vide. Hein. Il y a eu du vide. Mais en vrai, on a quand même trouvé des choses intéressantes comme le fameux chapeau de Kaneki. Le chapeau de la flamme. Le chapeau de la flamme. Et une magnifique statue de mon côté. On a également trouvé quelques petits trucs intéressants. Après, voilà, hein, franchement. Également des boosters. Hein. On va faire un petit opening. Il faudra qu'on fasse un petit opening. Ils sont stylés. Alors, il y a évidemment ceux-là, Origine perdue, et il y a également. Tempête argentée aussi. Qu'il faut qu'on fasse. Ouais. J'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie. Hein, ça fait longtemps que je suis pas retourné à Paris. Hein. Encore, vite peint. Du coup, là, après, on va aller manger un morceau. Et oui. C'est où déjà on va? À Carré Pain de Mie. Carré Pain de Mie. Car. Il paraît que c'est très bien là-bas. C'est une petite adresse avec du pain japonais. Ils font une sandwicherie avec des pains japonais. Et c'est super. Ouais, on va aller manger un morceau là-bas. Pour se sentir au chaud et pouvoir enfin manger. Parce que la seule chose qu'on a mangé, c'était juste une gaufre. Mais bon, là, ça va aller. Bon, en vrai, pour la dernière convention de cette année, c'est plutôt bien, je trouve. Malgré le froid. Mais bon. En tout cas, après, ce sera en février. Après, la prochaine, ce sera à Rennes. Et du coup, ça va être plutôt cool à Rennes. C'est pas loin de chez nous, donc espérons qu'il fera moins froid. Bon, bah les amis, j'espère que du coup, que la vidéo vous ait plu. Hein, franchement, j'ai passé une bonne journée. Toi aussi, Kaneki. Super. Ah bah, franchement, moi, je me suis bien régalé, surtout avec toi. Amusé.
Ouais. Là, c'est une super convention pour la fin d'année. Ouais, pour une super convention pour la fin d'année. Et j'espère que du coup, que ces petites images vous ont plu, hein, franchement. Et du coup, il faudra attendre l'année prochaine. Bon, bah les amis, j'espère du coup que la vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un plus gros pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine convention en 2023. C'était M. Fischer et Kaniki. Ciao !